Voilà, pas ça. On a sorti de là, vous n'allez pas. Qui ça qui gagne? On peut tirer de là. Excusez. Non, on va pas me garder ce bagage là. On va voir. On a gardé la sécurité Valmont, hein? Qui est en Kémé. On a tiré la main là. On a rapproché pour nous, qui ça qui gagne. On a pu le tirer de là. Regardez qu'il y a une sécurité à mettre des balles dans la zone. Un désordre. Coup de balle. Regardez Bendy à répéter. Aïe, Bendy à répéter là. On sortit dans la direction. Ouais, c'est là. Dans la direction. Allez, comme il m'a fait là.
Voilà, Zami, comme ça, la situation en prison. Vraiment, tout ça qui est en dedans, vraiment, tout est en dedans. Ça qui est autour de vous, pas qu'à passer, pas qu'à sortir, pas qu'à rentrer. Vraiment, la situation est compliquée au niveau du Parlement ici. Blendia a fait un début. Vraiment. Blendia a fait un là, nous on deux ballons là coupalement, on n'a pas qu'à sortir de haut. On est obligé, c'est dans le gris pour nous permettre de garder comment ça aide. Un pile coup de balle a chanté en direction du Parlement. Et après aller back toujours. Il est arrivé dans position. C'est avec un peu de difficulté qu'on permet de vivre ce qui a passé de Palman, sur le boulevard, la Saline. C'est avec un peu de difficulté. Allô. Ndio, dans la cour. Oui, Ndio. Moi, Ndio. Ok. Oui, moi, des femmes d'où? Il faut descendre, nous allons permettre. Nous allons chercher une autre position. Nous cherchons une autre position pour nous capables de permettre de vivre. Yo, moi, Radical Sean Mas, je dis à ça une grande décision. L'aime palais tiré ses parlements, prend, est capable de l'installer Joseph Plambert avec un accord politique. Côté accord politique, ça, c'est bicéphale. Côté que M. Ariel Henry comme Premier ministre, l'issien pour Joseph Plambert, capable président. Je dis à nous-mêmes, force militant Radical Sean Mas, nous dis encore, parce que pas un accord qui solide sans Joseph Plambert. Parce que Joseph Plambert compte parler à tout le monde. Joseph Plambert capable de négocier à tout le monde. Joseph Plambert capable de mettre sacré les sécurités dans le pays. Joseph Plambert capable de faire sacré un conseil électoral qui fiable. Jodia, nous dit Joseph Plambert, c'est président unique. Nous-mêmes, force militant radical Sean Mas. Pour ça nous dit encore, parce que Joseph Plambert, c'est lui-même qui est capable de mettre un président. Il est capable de président de négociation. Il est capable de mettre ça que nous la paix. Parce que Jodia Allen pour un pays, côté toute institution pays écrasée. Jodia Allen pour un pays, côté même petite Madame Sarah,
pas qu'à vous petit l'école. Je dis alors, prends tout ensemble prisonniers politiques, Anel Belize, Kilik, Babas, Joanel, et Aberson Gonel, et alors, vous n'êtes rien à couteau. L'en prend Jean-Denis Pétionville, qui est en prison. Ah ben, je dis à nous, dis à quoi nous même force mit en radication masse. Je dis à Lambert, son nez qui est capable de chiter à tout le monde. Parce que Calambert, Lambert, c'est tout le monde. Joe Lambert, c'est tout pour tout le monde. Je dis à comment tu as compris nos pays. L'opponé que tu as couru dans le Renal Luberis, l'opponé que tu as couru dans la mort Salvador, qui a négocié, qui sorti pour le mettre au chaos dans le pays. Ah ben, je dis à nous même, nous dis attention, parce que pays a li pas seul pour nek sa ou, parce que papa de Saline te ban indépendance. Je dis à pays ça, c'est pour nous. On pile coup de balle qui a tiré en direction des Parlements là, on pile coup de balle qui a tiré en direction des Parlements. Pile coup de balle qui a tiré en direction des Parlements là. Un pile coup de balle. Ça doit le dire, mais c'est. Non, non, mais un pile coup de balle qui a tiré. On a sorti de haut pour nous aller qui ça gagne de haut. Vous avez la baisse à pays à la cassée. Vous avez la baisse à pays à la cassée. Oh, alléluia, pays à la cassée. C'est la mec qui s'est fait la baisse. Vous avez la baisse à pays à la cassée. Vous avez la baisse à pays à la cassée. Oh, alléluia, pays à la cassée. Vous avez la baisse à pays à la cassée. Vous avez la baisse à pays à la cassée. Vous avez la baisse à pays à la cassée. Oh, alléluia, pays à la cassée. Vous avez la baisse à pays à la cassée. Vous avez la baisse à pays à la cassée. Vous avez la baisse à pays à la cassée. Vous avez la baisse à pays à cacassé. Vous avez la baisse à pays à cacassé. Vous avez la baisse à pays à cacassé. Oh, alléluia, pays à cacassé. Vous avez la baisse à pays à cacassé. Vous avez la baisse à pays à cacassé. Vous avez la baisse à pays à cacassé. Responsabilité, on va faire une commission pour demander à Lambert. Responsabilité, peut-être pas là. Parce qu'il nous pas capable encore. Parce qu'il y a sécurité dans le pays. Lambert, je responsabilité. Je dis en l'aide. Vous avez Lambert. Il y a qu'à rouler. Parce que nous même force militaire en radication de masse. Nous demandons, quoi, payant, qu'on président, pressé. Parce que je dis à nous-mêmes, nous disons, nous parlons sept têtes avec aucune personne dans la politique, non payant. N'a toujours dit, je dis à nous-mêmes, Joseph Lambert, c'est lui-même qui digne, qui est capable de faire bouger l'élection dans le pays. Mais, nous avons un message tout, pas bien chez Kassaro, qui campait. Fait diversion. Nous même en tant que jeunes, nous même en tant que mecs qui font politique, nous disons aujourd'hui, nous demandons Lambert pour Lambert, pour le faire. Bonjour, élection crédible dans le pays. Pour le faire prochain. Massacre la Saline, pour massacre l'air. Massacre ensemble dans tout le ghetto. Tout le monde qui mourut aujourd'hui, n'a pas dit. Président Lambert, à Simon des responsabilités pour faire nos bons gens sont capables que nous-mêmes nous prenons la bataille parce que nous-mêmes nous disons aujourd'hui, clair, nous baissons Lambert dans notre pays. Merci beaucoup. Thank you.
Oui. Chers amis, chers amis de la presse, parlée écrite et télévisée, mesdames, messieurs du protocole d'entente nationale, mes premières paroles sont pour les victimes du département du Sud, des NIP et de la Grandance. Je voudrais, en cet instant, adresser mes sympathies à leurs familles, à leurs amis. Je profite aussi de cette circonstance pour remercier les amis de la presse qui ont répondu positivement à l'invitation de ce matin. Je suis là avec vous parce qu'il y a un besoin de communiquer. Le peuple haïtien, la nation haïtienne, a besoin en cet instant précis, de comprendre ce qui se passe réellement dans ce pays. Je vais donc vous exposer très brièvement ma compréhension de la situation. Et je vais me mettre à votre disposition pour toutes sortes de questions. Et comme je le dis souvent, pertinentes ou impertinentes. Je suis là en quelle qualité ? D'abord, homme politique, président du Sénat. Président élu par l'Assemblée des sénateurs. Le seul îlot de légitimité qui existe dans ce pays, les 10 sénateurs. Je suis là aussi en tant que président désigné par Le Pen, avec bien sûr un ensemble de signataires de l'ordre de 200 à 250. Il y a des dates, des périodes précises. Sur lesquels je vais intervenir. Il y a d'abord janvier 2020. Janvier 2020, on a constaté dans ce pays, et tout le monde l'a constaté, la fin du mandat des maires, des Kazakh, des Azek, des délégués de ville. Et de manière peu orthodoxe, le président a choisi de renvoyer en même temps deux tiers du Sénat. À ce moment précis, le pays comptait 11 élus légitimes, les 10 sénateurs et le président de la République.
qui s'en a vivre dans la période ça. Nous constatons que le président de la République là, à l'époque rassemblait tout le pouvoir à la main. Et lors où pas gagné un pouvoir de contrôle, ou pas gagné des pouvoirs d'équilibre, ou qu'on difficulté de management de pouvoir, et tant coup nous t'ai constaté, le président obligé à prendre un ensemble de décrets, décrets sous décrets. Décret qui des fois pas même cadré avec les prescrits de la Constitution. Décret qui critiquait tant au niveau national qu'au niveau international. Exemple, Annie. Et au Venezuela, pays, côté trois autorités concentrées dans un seul monde, l'État vini de plus en plus affaibli parce que l'institution vini faible et pas gain aucun pouvoir qui est capable de contrôler aucun autre pouvoir. Je n'ai pas besoin de parler de jargon ça, ni citer jargon ça. Le pouvoir arrête le pouvoir. Depuis ou pas dans ça, ou qu'on est, ou trouve ou dans l'orbeille, si on a pu utiliser gomo créole ça. Dès lors, ou vient dans l'insécurité, et ma réponse, pour me dire, pays a une constitution. Pays a dit, mais qui j'en pour charpenter le. Constitution a dit, mais qui j'en pour charpenter le pays. Elle dit, il faut gagner un président, un premier ministre. À partir du moment que gagne un monde, quel qu'il soit, à quelque niveau qu'il puisse être, qui dit que lui-même, c'est après Dieu. À ce moment précis, il est écarté totalement de la Constitution. Et par conséquent, Joseph Lambert, comme sénateur de la République, fervent défenseur de la Constitution, pour ça que nous sommes capables de rester là toujours pour nous qu'imbé, nous qu'à appliquer, eh bien, pas capable de marcher dans aucune logique qui pas, ni avec des mondes, ni des projets avec des mondes qui pas cadre, qui, au même côté, projet par eux, pas cadré avec sa Constitution, on dit. Oui, c'est important. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout pour devenir président de la République? Écoutez, je dépends d'un ensemble de secteurs, secteurs politiques et de la société civile. Je ne veux dire, pas d'un prêt pour aller jusqu'au bout si ces acteurs politiques et de la société civile pensaient peut-être que ce n'est pas eux-mêmes qui. Le profil idéal. Maintenant, ses amis politiques, des secteurs politiques et de la société civile, pensaient que c'est moi-même qui est le personnage idéal. Et je pense qu'en ces temps difficiles, il faut à la fois ce leader tenace, coriace, expérimenté, et puis revêtu du sceau de la légitimité populaire. Ben, je suis un élu. Je ne peux pas parler là comme n'importe qui. Je suis élu. Je peux parler au nom du peuple. Ben, je bénéficie d'un mandat populaire. Et pas tout le monde qui a venu parler au nom du peuple. Le peuple n'a pas légitimité ça pour venir parler au nom. Ah, c'est une nuance importante. Parce qu'à chaque fois que les nègres parlent ici, Dieu a parlé dans nos peuples. Mais on joue, il faut quoi dans l'élection tout pour le peuple là. Bon, mandat pour venir parler dans nos nids. Même à l'élection.
élection, peut pas pour un mandat pour venir parler dans mais mettez-moi dans l'institution, il est élu comme président du Sénat. Donc, d'abord comme sénateur. Deux, je prends un vote au suffrage universel direct. Et puis deux, je prends un vote au second degré au niveau national. Et ce sont l'ensemble des votes cumulés des sénateurs de la République qui élument comme président Sénat. Et troisièmement, il y aurait pas moins confiance encore, non, réélume encore comme président provisoire parmi ces seuls 10 élus légitimes qu'il y a dans ce pays sur plus de 6 000. C'est un argument de taille. Et ça, c'est du costaud. On a commencé avec une question pour là, pour nous dire, hein, je dis, il faut admettre et reconnaître que la Constitution dit très clairement, mais qui j'en pour l'organe vide au niveau exécutif là, mais qui j'en pour entrer là-dedans. Il n'y a pas cette Assemblée nationale. La Chambre des députés n'est pas là. Le Sénat est amputé de 2/3. Et par conséquent, les 10 sénateurs à eux seuls Pataka prétend dire qu'il y a toute autorité pour désigner un président. Mais par contre, vu que dans le pays, il y a sur plus de 6 000 élus qui gagnent, il n'y a que 10 élus légitimes qui existaient, nous estimons que tout ça qu'a fait supposé tenu compte de ce petit lot de légitimité qui existait seulement dans le pays à les 10 sénateurs. Il faut gagner une gravitation qui fait quand même autour de nous, mais pas en dehors de nous. Sinon, si la Constitution a été dit et que toute structure est là, nous ne pouvons pas même gagner parole en pile. Nous avons fait comme privé. Et puis, nous avons fait élection. Et puis, ils ont élu privé. Ils ont élu un président. Et puis, le président n'a pas prêté serment normalement. Mais tel n'est pas le cas. Et le Sénat n'a pas qu'à frapper l'estomac. C'est ça que je dis aujourd'hui. Il n'y a pas de personne qui a frappé l'estomac plus fort. Dit, c'est nous-mêmes qui avons autorité pour faire ceci, pour faire cela. Il faut aller vers ce compromis. Il faut aller vers ce dialogue. Il faut que nous cherchions autant que nous sommes capables. Il faut qu'Haïtiens soient capables en période difficile, ça. Faut qu'élu, élite là. Faut qu'élite là. Prouvez-le. Deuxième question. C'est. Est-ce que nous pourrions partir avec une proposition qui est partie de la présidence, ou même comme sénateur, est-ce que nous parlons de la chita avec tout le monde, de présenter une proposition civile? Faut une chita avec tout le monde. Nous prêts pour chiter avec tout le monde. Il faut que tout le monde prêt pour chiter avec nous. Il faut que tout le monde vienne avec ça que nous avons, mais il faut que nous cherchions et créer des conditions pour que nous ayons perdu en paix de ça. Et c'est justement le sens de la question de camarade de la métropole là, qui croit que est-ce que Joseph Lambert prêt tout pour que il ait perdu dans ça ou bien pas président? Ah non. Il faut tout accepter pourvu que c'est l'intérêt national qui est même en jeu. Pas aucune obsession démesurée du pouvoir lorsqu'il s'agit de consentir des sacrifices. Ce qui est fondamental et qu'il faut retenir, c'est que je dis à tout le monde qui l'a, tout journaliste qui l'a, si vous avez cherché un président, bien dit, à le chercher, un président de la nature. Pas un seul journaliste qui l'a, qui pas t'a dit, bon, virer vers ça que m'a carrélé, institution. Et il t'a dit, qui institution qui debout, journée aujourd'hui, a une légitimité populaire et constitutionnelle? Il t'a dit, le Sénat. Mais le Sénat,
tu es capable de choisir n'importe qui sénateur pour le désigner, tout comme il doit tout porter dévolu sous n'importe qui monde tout dans la société civile là. Ou bien dans le parti politique. Yo. Je jeté dévolu sur Lambert. Tant mieux. Et je leur remercie pour faire ça. Et m'apprécier ça en pile. C'est encore une marque de confiance à mon égard. Et la question de peine Ariel.